regarde l'extrait plusieurs fois et on essaye de se faire une idée de ce que pourrait aimer ressentir le réalisateur et comment la musique pourrait coller sur cet extrait. Ça m'a assez inspiré, je pense. Il y avait à la fois un côté comédie et un côté tragique. Et gérer cet entre-deux assez intéressant. Je pense qu'il ne faut pas travailler en regardant le film trop souvent. Il faut arriver à se détacher du film et à faire la musique après en relation avec l'image, mais sans regarder le film, faire de l'image par image, quoi. C'est assez unitaire, ça, je trouve, c'est une des qualités de cette musique-là. Vous ne résistez pas à la tentation du nombre d'instruments, la tentation symphonique dans le début. Il y en a un peu trop pour moi. Hein. Mais par contre, vous vous rattrapez par les silences de la fin. C'est très bien le glockenspiel qui surgit et la découverte du cadavre en silence, ou de façon très retenue, ça me convient parfaitement. Sur la fin, vous terminez un peu en queue de poisson, alors que là, il y a une montée dramatique pour moi dans le film. Alors j'ai eu du mal à percevoir cette fin-là. Disons que là, encore une fois, le cadavre vous inspire.